Les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont venus les têtes chenues, les guérisons. Les vieux fourneaux prennent le genou pour des cons. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Que je présente l'émission? Oh, vous avez qu'à le faire à ma place, hein? Émission de merde et sans intérêt, franchement. Si quelqu'un veut prendre ma place aujourd'hui, qu'il lève sa main tout de suite. Personne? Comme c'est étonnant de votre part. Bon, ben, puisque j'ai pas le choix, hein. Bienvenue à tous dans cette quatrième édition de cette émission fort intéressante. Oui, j'ai aussi la capacité de changer ma voix comme ça. Radio interne qui se situe toujours et nulle part ailleurs que dans le cerveau d'un garçon de 18 ans. Nous allons interroger des créations de son cerveau, toujours très intéressantes, hein, vous en conviendrez avec moi, pour commencer avec Jin Sasaki. Oui, bonjour à vous, monsieur Sasaki, mais quand on est poli, au lieu de dire « eh » comme un abruti, on dit « bonjour ». Oui, bonjour, oui. Ouais, bon, bref, finissons-en rapidement que je puisse rentrer chez moi. Qu'êtes-vous exactement? Eh bien, je suis un Shinigami. Comme dans le manga de Bleach? Ben, je suis Bleach, justement. Ah ouais? Alors comment ça se fait que je l'ai encore jamais vu dedans? Eh bien, je dois être un personnage figurant de la série, voilà. Troisième siège. Figurant. Oui, c'est possible. Non? On va dire que ça l'est pour pas vous vexer encore plus, hein. Quoi? Mais... second invité de la semaine, et j'espère plus intéressant que le premier, Osteria Babila, qui se trouve être un incube à l'avenir peu commun. Êtes-vous Alozer? Non, Alozer est mort, je te rappelle. Snuff, pourquoi ça est arrivé? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, bon, bref, on va pas s'apitoyer sur son sort, hein. Alors, première question, comment comptez-vous buter les quatre prêtres de l'enfer, ainsi que Lilith à vous tout seul, qui n'êtes qu'un pauvre incube de merde? J'utiliserai mon épée, que diable! Et elle a quoi de spécial, votre fameuse épée? Elle est taillée dans la roche du mont Astalos. Ouais. Bon, en gros, c'est juste un bout de pierre taillé. Super. Tu vas aller très loin dans la vie, mon petit. C'est moi qui te le dis. Encore deux lignes, maxi, et tu crèves. Quoi? Mais c'est pas... Dernier invité de cette semaine, plus que mémorable, hein, Samael. Je vais récupérer ma moitié d'âme, Mais c'est déjà fait, pauvre abruti. D'ailleurs, tu t'es fait buter, quand même. Ben non, c'est faux, pourquoi vous racontez de telles choses? Je suis un dieu parmi les dieux, moi. Non, t'es juste un démon de merde qui voit plus haut que son cul. Bon, bref, si vous aviez survécu à la vengeance du gamin Koei, vous fuyez pour la terre. Je l'aurais conquis. Alors, il est question de gérer la population de 6 milliards d'habitants, les loger, les nourrir, les manifestations incessantes au roi, les plaintes et parfois même des révolutions. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ça? Quelqu'un veut prendre ma place? C'est bien ce qui me semblait bon. Eh bien, dans notre prochain numéro, vous voyez comment j'arnaque en beauté chacun des personnages du jeu. Hé, sauf moi, connard, c'est moi, c'était bas.